Australie, une dizaine de personnes ont été blessées jeudi 21 décembre, dont un enfant, par une voiture qui a fauché des piétons dans un quartier très fréquenté de Melbourne, la deuxième ville d'Australie, ont annoncé les autorités. Une dizaine de personnes, dont certaines dans un état grave, ont été conduites à l'hôpital. Le premier bilan de 12 victimes a rapidement été revu à la hausse, avec 15 blessés. La police a rapidement annoncé sur Twitter l'arrestation du conducteur du véhicule entré en collision avec un certain nombre de piétons vers 17h locale, à un croisement très fréquenté du centre de Melbourne, dans le sud-est de l'Australie. Une deuxième personne soupçonnée d'être en lien avec l'incident a également été arrêtée. Selon les forces de l'ordre australiennes, il s'agit d'un acte délibéré. De ce que nous avons vu, nous pensons qu'il s'agit d'un acte délibéré. Les motivations ne sont pas connues, a d'abord déclaré le commandant de la police de Victoria Russell Barrett à la presse. Quelques heures plus tard, il a écarté à ce stade de l'enquête, la piste terroriste. Le conducteur de la voiture avait des problèmes mentaux et n'avait pas de lien connu avec le terrorisme, a déclaré la police. L'Australien de 32 ans d'origine afghane était connu des services de police et était consommateur de stupéfiants, a déclaré Sean Patton, le chef par intérim de la police de l'État de Victoria. À ce stade, nous n'avons aucune preuve ou aucun renseignement qui indiquerait un lien avec le terrorisme, a-t-il dit. Une témoin, Sue, a raconté à la station de radio de Melbourne 3 O qu'elle avait entendu des cris avant de voir des gens voler de partout. On a entendu ce bruit, on a regardé vers la gauche, on a vu cette voiture blanche, elle a fauché tout le monde. Les gens volaient de partout. Les gens couraient dans tous les sens.